l'amitié avec Dieu, de l'amitié de Dieu. Amen. Amen. Il a l'âme de l'amitié de Dieu. Ça veut dire qu'il a l'âme de qui fait en sorte que Dieu soit ton ami. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il a maintenant l'âme de l'amitié avec Dieu. C'est différent encore. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il aura pour toi une âme qui sera amie. Gloire à Dieu. Amen. À Dieu. L'amitié avec Dieu et l'amitié de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Terminé. Il y a trop de puissance. Gloire à Dieu. Amen. C'est la fin de la religion. Gloire à Dieu. Amen. C'est la fin de la religion. C'est la fin du veau d'or. Gloire à Dieu. Amen. La préfiguration, la représentation, la copie. Gloire à Dieu. Amen. C'est fini le mensonge. Gloire à Dieu. Amen. La vérité est venue avec son âme. Gloire à Dieu. Amen. L'âme de l'amitié. Gloire à Dieu. Amen. Avec Dieu. C'est ça, non? C'est ça. Et l'âme de l'amitié avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Les personnes ne marchent pas ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Sans être accordé. Gloire à Dieu. Amen. Alors, tout ce que tu vas faire, gloire à Dieu. Amen. Gloire de Dieu. Ça sera fait par lui. Gloire à Dieu. Amen. Si tu fais quelque chose sans lui, alors c'est rejeté. Si tu fais quelque chose, alors, sans son esprit, sans son âme, c'est rejeté. Ici, on va entrer dans la grâce de l'esprit de foi, un très grand leader qui symbolise la crucifixion de Jésus-Christ et qui a compris, gloire à Dieu, l'importance capitale de marcher avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On a compris ce que voulait dire marcher avec Dieu aujourd'hui. À l'église, on a été trompé. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si l'entendre et sur la signification de ce que veut dire marcher avec Dieu, mais avant même d'en arriver là, on a été trompé sur le sens de chercher Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Dieu. Alors, avant de marcher avec quelqu'un, il faut d'abord que tu le cherches, que tu le trouves. Amen. Amen. Alors, si tu ne l'as pas trouvé, comment tu vas marcher avec lui? Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il est important que tu le trouves. Il met des conditions. Amen. Gloire Amen. À Dieu. Tu dois d'abord comprendre pourquoi tu le cherches. Gloire à Dieu. Amen. Et pourquoi tu dois le trouver. Et lui-même explique. Il t'aide. Gloire à Dieu. Amen. Et il est dans le livre de Nombre 14, à partir du verset 34, son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu, il dit clairement que de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pour 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. D'être privé de ma présence. Alors, ici, il y a un très grand point. Par la présence de Dieu, tout était possible. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui devait porter le fardeau. C'est lui qui devait commencer. Il a l'âme de l'amitié avec Dieu et l'âme de l'amitié de Dieu. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il va être le médiateur entre Dieu et les hommes. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de puissance. Gloire à Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'autorité. Alors, donc, il comprend la nécessité de la présence de Dieu. Amen. Amen. Il faut la présence de Dieu partout où je parle. Gloire à Dieu. Amen. Il faut une nouvelle conscience. Tous les problèmes qui vont me faire être absent dans la présence de Dieu, il doit le régler. Il doit avoir la réponse. Gloire à Dieu. Amen. À cela, ça veut dire qu'il me faut une conscience qui est consciente de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Parce que Dieu est tout puissant. Il peut choisir de manifester sa présence. Gloire à Dieu. Amen. À l'insu d'une conscience rebelle. Gloire à Dieu. Amen. Et tu ne vas pas savoir qu'il est là. Alors, c'est le principe du mystère qui endurcit les gens dans le péché, dans la rébellion. Parce que s'ils savaient véritablement que Dieu les voyait, gloire à Dieu, Amen. Dans ce qu'ils sont en train de faire, ils ne se cacheraient plus jamais. Gloire à Dieu. Amen. De la lumière de Dieu, marcher dans la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Et ils ne savent pas, ça là, ils ont été cachés. Alors, ils viennent alors mentir dans la présence de Dieu. Alors, Dieu connaît toutes choses. Alors, il faut une conscience qui est consciente. Amen. Amen. De la présence de Dieu. Alors, cette conscience doit être sainte parce que le pécheur ne peut pas le voir. Gloire à Dieu. Amen. Il faut être saint pour le voir. Alors, une conscience est irrépréhensible, irréprochable, une conscience
conscience bonne, pure, gloire à Dieu. Amen. Elle est la conscience de Dieu seul, qui n'a jamais péché et qui ne peut pas pécher, gloire à Dieu. Amen. Et la conscience vierge, gloire à Dieu. Amen. Qui n'a connu aucun mensonge, aucune culpabilité, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pour rester dans sa présence, gloire à Dieu. Amen. Alors aussi, il faut bien comprendre, gloire à Dieu. Amen. Alors, il faut cette présence. Alors, cette conscience ne vit que par l'âme, gloire à Dieu. Amen. L'âme de Jésus qui purifie la conscience, donc une âme, gloire à Dieu. Amen. À laquelle appartient cette conscience, gloire à Dieu. Amen. Alors, dans cette âme se trouve la présence, gloire à Dieu. Amen. De la vie de la vérité, gloire à Dieu. Amen. Et la conscience de la vérité, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, dans sa présence, il est ma justice, gloire à Dieu. Amen. Je suis juste dans sa présence. Il arrive un moment que je ne suis plus dans sa présence, je suis fermé, gloire à Dieu. Amen. C'est sa présence qui me justifie. Or, ici, sa présence n'est pas littérale. Sa présence est vie et esprit, gloire à Dieu. Amen. L'esprit qui soutient la conscience de la vérité, gloire à Dieu. Amen. L'esprit de la justice qui convainc du péché, du jugement, gloire à Dieu. Amen. C'est l'esprit-là, l'esprit d'intelligence et de connaissance de l'éternel, l'esprit de sagesse, gloire à Dieu. Amen. Supérieur, gloire à Dieu. Amen. Et l'âme de la vérité, voilà comment il est dans la présence vivante de Dieu. Amen. Amen. Alors, il demeure en Dieu. Il faut bien comprendre d'abord la nécessité de la présence et comprendre même ce que Dieu veut dire par sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Alors, désormais, pour chercher la présence de Dieu, je ne cherche pas la présence de Dieu avec les mots. Amen. Amen. Je ne cherche pas la présence de Dieu en me séparant d'un coin à l'autre. Gloire à Dieu. Amen. Pour aller là-bas, il y a bien là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Je cherche la présence de Dieu dans la vie. Gloire à Dieu. Amen. De Dieu et dans l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, la vie de la parole est dans son sang. Gloire à Dieu. Amen. Et l'esprit de la parole. Donc, je cherche la présence de Dieu dans l'âme de la parole. Amen. Amen. Et dans l'esprit de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Voilà où pour moi, c'est chercher là où se trouve la présence de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est pour commencer à chercher sa présence. Je comprends que c'est lui qui a l'âme et l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. De l'amitié de Dieu pour l'homme. Amen. Amen. Et de l'amitié avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est lui seul qui doit commencer la quête. Gloire à Dieu. Amen. Pour m'amener vers Dieu. C'est lui qui connaît le chemin. Il est le commencement. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et aussi la fin. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, à aucun moment, je ne dois me séparer de lui, que ce soit pour chercher ce Dieu. Amen. Amen. Que ce soit pour le trouver. Gloire à Dieu. Amen. Donc, j'ai commencé par lui. Gloire à Dieu. Amen. À aucun moment, je ne le perds de vue. Si je le perds de vue, je ne suis plus juste. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le sang doit me rendre témoignage dans ma conscience. Gloire à Dieu. Amen. Que je serai dans la présence du Dieu qui me justifie, qui me condamnera. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il connaît l'importance de la présence de Dieu. Il a travaillé très fort pour avoir la présence, pour la comprendre. Et il ne veut plus que rien l'arrête. Ce qui soutient la présence de Dieu dans sa vie, c'est l'âme de Dieu. Amen. Amen. Et c'est l'esprit de Dieu. Ma parole est vie et esprit. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole. Tu ne verras jamais Dieu. Amen. Amen. C'est la parole. Avec Moïse, c'était la parole. Avec Élie, c'était la parole. Parole. Avec Jésus, c'était la parole. Parole. Si quelqu'un écoute ma parole, gloire à Dieu. Amen. Sanctifie-les par ta parole. C'est terminé. Donc, si tu veux nous dire que tu cherches Dieu déjà et que tu laisses la parole, tu es dans une très grande erreur. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu laisses l'âme de la parole et l'esprit de la parole de Dieu, tu n'es pas cherché quel Dieu. Que Dieu nous aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire d'abord. Gloire à Dieu. Amen. Entre dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui te garde dans la présence de Dieu? C'est l'âme. Gloire à Dieu. Amen. C'est le sang de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Et l'esprit de la parole qui a les fruits. Gloire à Dieu. Amen. Qui te garde dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on revient d'abord pour faire comprendre ce que Jésus a déjà dit dans Nombre 14, verset 34. Il a dit que vous allez savoir ce que c'est que d'être privé de ma présence. Alors, être privé de ma présence, c'est prendre un autre sang. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il dit qu'à cause du péché, gloire à Dieu, amen, vous serez privé de ma présence. Ça veut dire que le sang que vous avez pris va vous priver de ma présence qui est dans mon sang. Amen. Amen. De la vie de ma présence. C'est pourquoi tu vas voir les gens, je cherche Dieu, je cherche Dieu, je cherche quel Dieu. Le sang, tu ne le trouveras jamais. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vas trouver une fausse consolation, tu ne le trouveras jamais. Jamais. On ne le cherche
par de notre sang là, gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, à cause du sang-ci, gloire à Dieu. Amen. Et de l'esprit de l'idolâtrie de ce sang-là, gloire à Dieu. Amen. Et de la conscience de vous-même, gloire à Dieu. Amen. Vous ne me trouverez pas, gloire à Dieu. Amen. Vous allez alors savoir ce que veut dire d'être privé de ma présence. La sanctification, c'est ma présence de ma personne, gloire à Dieu. Amen. En toi, gloire à Dieu. Amen. Alors, sans moi, il n'y a pas de justice, gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, tu ne peux pas là-bas. Il faut que je demeure en toi, gloire à Dieu. Amen. Alors, pour que tu sois sanctifié, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il va expliquer encore, gloire à Dieu. Amen. Un, son nom, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 6, verset 56, il donne plus d'éclaircissement, gloire à Dieu. Amen. Il va dire ici que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc on voit bien que c'est dans la parole que tu auras la présence, gloire à Dieu. Amen. Parce que n'oublie pas, il dit que je demeure en lui et puis il va demeurer en moi. Amen. Amen. Donc il a le sang de l'amitié de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Pour toi, il va se faire connaître à toi, il va te révéler Dieu, gloire à Dieu. Amen. Il va marcher lui-même avec toi d'abord avant d'avoir la force de marcher avec lui, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole. Alors Dieu. Tu ne peux jamais te glorifier, gloire à Dieu. Amen. Si tu veux le chercher, c'est chercher, bois son sang. Amen. Amen. Pour rester éternellement dans sa présence. Présence. En renonçant à ton sang de je veux, de il me faut, de je n'ai pas le temps de tout ça. Gloire à Dieu. Pour rester dans le sang de Jésus tranquillement. Alors son sang va apporter l'amitié que Dieu veut pour toi. Amen. Amen. Ton amitié avec Dieu, c'est lui qui va apporter le sang là. Gloire à Dieu. Amen. Alors tu dois boire le sang de celui qui a l'amitié de Dieu pour toi. Amen. Amen. Et puis maintenant, il va te donner le sang de l'amitié que tu dois avoir avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est pas le sang si maintenant, gloire à Dieu. Amen. Que tu es en lui. Gloire à Dieu. Amen. Avant de marcher maintenant avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas marcher avec lui sans être en lui. Autrement dit, tu ne peux pas marcher avec lui sans être sauvé. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu trouves que tu marches avec lui, tu as la vie éternelle. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre ce mystère. Donc, si tu arrives un jour que tu ne marches plus avec Dieu et tu te retrouves à vouloir chercher Dieu avec un autre sang, tu as rétrogradé et légendaire. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Gloire à Dieu. Amen. Et vous partez chercher les choses que l'homme peut faire. Alors que Dieu, ô homme, on t'a fait connaître son nom. C'est la parole de Dieu. Simplement ce que Dieu attend de toi. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas aller chercher trop loin son nom. C'est la parole de Dieu. Tranquille. Tu vas chercher loin, loin. Gloire à Dieu. Amen. Et puis tu deviens là-bas et tu ne comprends rien, son nom. C'est la parole de Dieu. Et tu travailles pour rien, son nom. C'est la parole de Dieu. Oh, homme, on t'a fait connaître. Gloire à Dieu. Amen. On t'a fait connaître. Oh, homme. On t'a fait connaître ce qui est bien. Bien. C'est le sang. Gloire à Dieu. Amen. Avec la bonté de Dieu dedans. Gloire à Dieu. Amen. On t'a fait connaître renoncement à ton sang. Gloire à Dieu. Amen. Oh, homme, on t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est que tout ce qu'on t'avait demandé, gloire à Dieu, marcher par l'âme, gloire à Dieu. Amen. Et l'amitié avec Dieu, deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être convenues, gloire à Dieu. Amen. Alors l'accord du sang, gloire à Dieu. Amen. L'accord de l'Esprit de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Marche ensemble, il n'y a plus de problème que je vais prier au nom de Jésus deux jours, cinq jours. Amen. Amen. Je n'ai qu'à renoncer à l'autre sang. Gloire à Dieu. Amen. Je vais partir. Bye bye. Christ est Christ. Crucifié. Si je vais, ce n'est plus moi. Moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qui va encore me séparer? Gloire à Dieu. Amen. De marcher avec mon Dieu. Qu'est-ce qui va encore faire que je me perde? Gloire à Dieu. Amen. Je veux, c'est pas son sang que je vis. Je ne peux plus me perdre. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas son esprit. Mais que je fais, gloire à Dieu. Il va dire que celui qui me mange vivra par moi. Alors, il vit par moi, ça veut dire qu'il me suit par moi. Gloire à Dieu. Amen. Il connaît le chemin par moi. Il ne peut plus mourir. C'est l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous aveuglons parmi les affaires de Dieu. Je cherche Dieu. Je cherche, tu cherches quel Dieu. Amen. Amen. Christ en toi. Amen. Amen. Et tu es en Christ. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Maintenant, tu marches dans la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et très
très facilement. Gloire à Dieu. Amen. Mon fardeau est léger. Gloire à Dieu. Amen. Et doux son nom. C'est la parole de Dieu. Avec beaucoup de joie, beaucoup d'autorité. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il ne se fatigue pas pendant la marche. Gloire à Dieu. Amen. Les jeunes gens se fatiguent, mais ceux qui espèrent en l'éternel renouvellent leur force. Pendant la marche avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Pendant la marche par Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et pour Dieu, ils sont à l'aise, ils se reposent. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est plus eux qui sont au contrôle. Gloire à Dieu. Amen. Mais toi, tu n'es pas venu comme ça, c'est ça, non? C'est ça. Tu as gardé le désir du sexe. Gloire à Dieu. Amen. Tu as gardé le sentiment de la femme, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Mais toi, tu as pris tes sentiments, c'est ça, non? C'est ça. Tu as pris les maisons. Gloire à Dieu. Amen. Tu as pris la conscience de la position de toi-même. Gloire à Dieu. Amen. Tu as pris la conscience du monde. Gloire à Dieu. Amen. Tu as pris l'argent du monde. Tu as pris le travail du monde. Gloire à Dieu. Amen. Tu as pris l'école du monde. Gloire à Dieu. Amen. Tu as pris la famille du monde. Tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Amen. Ne nous trouble pas avec les chercher. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a la vie de Christ. Gloire à Dieu. Amen. Comme on boit son âme le matin. Gloire à Dieu. Amen. On mange sa chair le matin. Gloire à Dieu. Amen. Et avec la force que nous donne cette nourriture, on marche. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui que tu cherches Dieu, mais il est d'abord la parole. Gloire à Dieu. Amen. C'est quel genre de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il me semble que c'est l'âme qui est la présence de Dieu. Amen. Amen. Et l'esprit qui est sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Si je perds l'âme et l'esprit, je n'ai plus de présence. Et c'est dans la parole. C'est pourquoi il dit bien que à cause du péché, gloire à Dieu. Amen. Tu ne me verras pas. Gloire à Dieu. Amen. Le péché a son âme. Gloire à Dieu. Amen. Dans lequel tu vis. Gloire à Dieu. Amen. Et l'esprit de rébellion qui a attaché à l'âme là. Gloire à Dieu. Amen. C'est lui qui fait que ma présence soit absente. Gloire à Dieu. Amen. Alors son nom, c'est la parole de Dieu. J'ai trouvé le chemin pour que tu me trouves. Gloire à Dieu. Amen. C'est le chemin de la croix. Gloire à Dieu. Amen. Pas de demi-mesure. Allez prier comme vous voulez. Il fuit le chemin. Gloire à Dieu. Amen. Pour rencontrer Jésus, il refuse la prédication de la croix, la mort brutale, totale. Gloire à Dieu. Amen. Jusqu'à la dernière goutte de ton sang. Gloire à Dieu. Amen. Il veut contourner avec les jeunes. On déclare, Jésus déclare ça nos mensonges. Faux sacrifice, faux chemin. Son nom. C'est la parole de Dieu. Consécration inférieure. J'étais dehors. Gloire à Dieu. Amen. Mystère de l'infidélité. Adorateur et adoratrice du veau d'or. Gloire à Dieu. Amen. On va rentrer. Et son nom. C'est la parole de Dieu. Dieu. Il faut bien comprendre. L'église adore le veau d'or. Gloire à Dieu. Amen. Alors ils vont chercher notre Dieu avec l'activité ailleurs. Gloire à Dieu. Amen. Ils vont chercher la présence d'un Dieu qui n'a pas d'âme. Amen. Amen. Un Dieu qui n'a pas d'esprit. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. C'est une fausse présence. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. On veut la vie et l'esprit de la présence. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La présence qui nous rend libres. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En Christ, ce sont ceux qui sont crucifiés, lâchés avec ses passions. Il n'y a pas de condamnation que je ne suis pas avec Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas de conscience qui me dit que Dieu n'est plus avec moi. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de conscience qui me dise que je ne suis pas dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. 24 heures sur 24, c'est Christ qui est ma vie et il est la volonté parfaite de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je suis dans la volonté parfaite 24 heures sur 24. Gloire à Dieu. Amen. Mon maître vient à n'importe quelle heure. Je n'ai pas de problème avec lui. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son amitié pour moi, c'est dans son sang. Gloire à Dieu. Amen. Et dans son esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est Jésus qui m'a donné le pouvoir. Gloire à Dieu. Amen. D'être éternellement ami avec le Père. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la blague. Gloire à Dieu. Amen. C'est une démonstration du sang de Jésus avec puissance. Son nom, c'est la parole de Dieu. Amitié de sang. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, je sais bien. Gloire à Dieu. Amen. Je ne bats pas l'air. Je ne combats pas en battant l'air. Gloire à Dieu. Amen. Je veux la présence qui me sanctifie. Gloire à Dieu. Amen. Et qui me justifie. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, le veau d'or, c'est le symbole de la représentation de l'action de l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et l'action de la vie, de l'âme, de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Alors, qui veut aussi faire sa part. Gloire à Dieu. Amen. Il ne veut pas prendre le chemin. Gloire à Dieu. Amen. Il n'est pas venu avec le sang. Gloire à Dieu. Amen. Demande-lui le sang. Il n'a pas. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vous faites toutes ces choses dans votre sang. Amen. Amen. Dans votre force, à la sueur de votre front. Gloire à Dieu. Amen. Si vous voulez vous glorifier, on vous a
déjà dit aux hommes le chemin de la croix. Gloire à Dieu. Amen. Qui va te garder pour toujours dans la présence de Dieu. Tu n'as pas pris. Maintenant, tu commences à chercher d'autres manières, les sacrifices. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne trouveras jamais le chemin de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne renonces pas à toi-même et à tout ce que tu possèdes, si tu ne détestes pas ta vie qui est dans ton sang. Amen. Amen. Tu ne peux pas trouver le chemin à la gloire à Dieu. Il faut bien comprendre, comprendre et comprendre encore. Quand la parole est dépendante, ne peux pas te chercher les choses dehors. Si. On va prier, c'est ça, non? C'est ça. On va gêner. Gloire à Dieu. Amen. On va faire comme ça, n'arrangera rien avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La conscience sera toujours vide. Son cœur. C'est la parole de Dieu. Alors continuez. C'est clairement, on a déjà vu comment il a donné l'amitié et la grâce d'entrer dans la présence. Gloire à Dieu. Amen. Alors il faut y demeurer. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui garde ma parole, je demeurerai en lui. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. La Bible va dire que je demande une chose à l'Éternel. Que je décide à Adam. C'est de demeurer tous les jours de dans ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Tous les jours, dans aucun moment de ma vie, je commence à dire que j'ai perdu Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que perdre la présence de Dieu, c'est perdre l'âme de Jésus. Amen. Amen. Et perdre l'esprit de Jésus. Et parce que j'ai pris une goutte de mon sang. Amen. Amen. Je peux cacher avec un petit démon. Gloire à Dieu. Amen. C'est un monde qui torture mon sentiment. Amen. Amen. Et qui torture mon esprit. Quand les disciples vont laisser Jésus, est-ce que Jésus m'a dit que je vais aller chercher Dieu? Non. Il ne dit pas qu'il est avec Dieu. Il dit que partait mon père, je suis avec mon père. Gloire à Dieu. Amen. Il ne m'a pas laissé seul. Gloire à Dieu. Il ne m'a pas quitté. Ce n'est pas vous qui êtes la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est dans le sang que je bois. Amen. Amen. Et c'est lui qui est venu avec le sang là, gloire à Dieu. Amen. Et c'est lui qui donne le baptême dans le Saint-Esprit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Si tu te rends libre, tu seras réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que la vérité sur la présence de Dieu. Amen. Amen. Tu dois la connaître. La vérité sur le mystère de la présence de Dieu. Tu dois la connaître. Ce n'est pas dans les activités de prêcher et chanter. Gloire à Dieu. Amen. La vérité, c'est dans le sang. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est dans l'esprit de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois connaître l'âme de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. En ce qui concerne la présence de Dieu. Et tu dois connaître l'esprit de la vérité en ce qui concerne la présence de Dieu. De Dieu. Alors tu seras affranchi. Gloire à Dieu. Amen. De la vie qui t'enlève de la présence. Parce qu'à chaque fois que tu es enlevé de la présence de Dieu, tu es déclaré infidèle. Gloire à Dieu. Amen. Tu as suivi un autre sang. Tu as pris un autre esprit. Maintenant tu es fatigué. Amen. Amen. Maintenant tu es lourd, gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui t'a séduit, toi, Galate, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié? Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Alors, ce sont vos péchés qui cachent la face de Dieu. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te sort de la présence de Dieu pour commencer à dire que je cherche Dieu? Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vous devez comprendre ces mystères. Ce sont vos passions. C'est ça, non? C'est ça. Vos convoitises, vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Vous voulez vous provoquer la jalousie de Dieu. Amen. Amen. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, tu as compris déjà. Gloire à Dieu. Amen. Ce que veut dire être dans la présence de Dieu. Scellé par le sang et par l'esprit. Et ça, c'est l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Seul qui a le droit d'être dans la présence de Dieu. À chaque fois que tu quittes le sang de l'homme nouveau et que tu quittes l'esprit de l'homme nouveau, gloire à Dieu. Amen. Et la conscience de l'homme nouveau et le cœur de l'homme nouveau et la famille de l'homme nouveau. Amen. Amen. Et le travail de l'homme nouveau et l'école de l'homme nouveau. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors c'est terminé pour toi, gloire à Dieu. Amen. Tu quittes la présence de Dieu. Amen. Amen. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à lui-même. C'est ça, non? C'est ça. À son sang et à son esprit, gloire à Dieu. Amen. Et à tout ce qu'elle possède. Les choses qui vous enlèvent de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Au lieu de régler ça, vous ne réglez pas. Gloire à Dieu. Amen. Et vous continuez à tourner. Je cherche quoi? Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ce que tu cherches, c'est dans le sang que tu refuses de prendre. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est dans l'esprit que tu refuses de recevoir. Gloire à Dieu. Amen. Si vous vivez par moi, dans l'esprit, gloire à Dieu. Amen. Marchez aussi par l'esprit. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je
marche avec lui. Voilà. Amen. Nom, c'est la parole de Dieu. Alors l'importance est de marcher avec Dieu. Voilà. Amen. Et comment? C'est-à-dire que quand je connais l'importance que Dieu représente, quand il est avec moi, c'est la vie éternelle. Voilà. Amen. Amen. Qui peut contester contre moi? Personne. Personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu. Alors, à partir de ce moment, je dois connaître ce qui me garde là-bas. Amen. Amen. Et ce qui me retirera là-bas. Voilà. Amen. Et je comprends que c'est une histoire de sang et de l'esprit. Voilà. Amen. Il faut que je sois une nouvelle créature. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, maintenant, il va falloir que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, voilà Dieu. Amen. Que l'Éternel, voilà Dieu. Amen. Lui-même, voilà Dieu. Amen. Marchera. Donc, quand on dit de marcher avec Dieu, ce n'est pas le moi qui est dedans. Amen. Amen. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire dans mon sang. Voilà Dieu. Amen. En refusant la crucifixion et en allant prendre mon sang pour commencer à dire que je vais chercher Dieu avec. Voilà Dieu. Amen. Ce n'était pas ça. Voilà Dieu. Amen. Deutéronome 31, verset 8 va dire ceci. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Hey, son nom. C'est la parole de Dieu. Lui-même. Il va alors dire que suis-moi. Voilà Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, son nom, c'est la parole de Dieu. L'Éternel marchera lui-même. Voilà Dieu. Amen. Devant toi. Voilà Dieu. Amen. Lui-même, c'est son âme. Voilà Dieu. Amen. Lui-même, c'est son esprit. Voilà Dieu. Amen. Alors, quand il dit suis-moi, tu dis que ton sang est vivant. Voilà Dieu. Amen. Et ton esprit est vivant. Je ne t'ai pas quitté d'une seule seconde. Voilà Dieu. Amen. Je renonce à ma famille, à ma femme, au travail comme Élisée. Voilà Dieu. Amen. Pour marcher en te suivant. Voilà Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est ton sang qui me commande. Voilà Dieu. Amen. Et c'est ton esprit qui me commande. À aucun moment, je ne vais prendre ton sang pour moi-même. Voilà Dieu. Amen. Je ne vais pas mélanger de sang. Voilà Dieu. Amen. Je vais me méfier de ne pas mélanger la conscience de mon sang à la conscience de ton sang. Voilà Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si je mélange ta conscience, je vais offrir à Dieu des sacrifices qui sont morts. Amen. Amen. C'est terminé. Mais maintenant, je vais servir le Dieu vivant. Garde à Dieu. Celui qui me mange vivra par moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, donc, tous les matins, ton âme est vivante. Ton esprit est vivant. Ne parle pas d'avoir quitté Dieu. Garde à Dieu. Amen. Allez chercher dans les trucs où il n'y a pas d'âme. Amen. Amen. Il n'y a pas d'esprit. L'âme de Dieu, pour moi, c'est dans sa parole. Garde à Dieu. Amen. Nulle part ailleurs. Dieu va dire ça à Moïse. On va arriver là-bas. Garde à Dieu. Amen. C'est pas le Dieu imaginaire. Il est au ciel quelque part et prête tout ça son. Non, c'est la parole de Dieu. Il veut fouer la vie de la parole. Et il veut aller manger les illusions. Voilà Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je fais le plan de Dieu. Il dit, verset où tu es avec moi où j'étais, l'Éternel marchera lui-même. Avec toi. Il sera lui-même. Avec toi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il marchera lui-même devant toi. Et sera lui-même avec toi. L'amitié de Dieu. Voilà Dieu. Amen. Avec toi. Amen. Amen. Et l'amitié de Dieu avec toi. Amen. Amen. C'est-à-dire que ton amitié pour Dieu. Voilà Dieu. Amen. Il va te donner le sang qu'il te fallait pour avoir l'amitié avec lui. Voilà Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle avec toi. Voilà Dieu. Amen. Quand on dit que l'Éternel est avec toi, avec lui, c'est que l'âme de l'Éternel. Voilà Dieu. Amen. Est avec lui. Et l'esprit de l'Éternel est avec lui. Voilà Dieu. Amen. Comment il marche, voilà Dieu. Amen. Il marche par Dieu, voilà Dieu. Amen. Il marche pour Dieu. Et il marche en Dieu. Dieu. Voilà Dieu. Amen. Dis-moi comment il va encore perdre Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je vais chercher qui, voilà Dieu. Amen. Chercher quoi que je n'ai pas, voilà Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé, voilà Dieu. Amen. Il marche avec Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Voilà Dieu. Amen. Humblement, c'est le plan de Dieu. Voilà Dieu. Amen. Alors il dit, et dans Deutéronome 31, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Voilà Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il n'a jamais laissé Moïse. Voilà Dieu. Amen. Regarde partout. Il n'a jamais. Moïse n'a jamais posé une question. Dieu n'a pas répondu. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et Jésus n'est même pas encore été glorifié. Voilà Dieu.
Dieu. Amen. Et Dieu marche avec Moïse. Il parle avec lui face à face. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et la vie que tu as, c'est la vie du Créateur. Ici, il y a plus grand que Moïse. Gloire à Dieu. Amen. Et frère, que Dieu t'aide à connaître l'âme de la personne que tu cherches. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Quelle est l'âme que tu vas chercher là-bas? Gloire à Dieu. Amen. Voici l'âme de la personne là. Gloire à Dieu. Amen. Et voici l'esprit de la personne là. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et en toi, gloire à Dieu. Oh, mes enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs d'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est en toi qui as la vie. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et tu es en Dieu. Tu peux chercher dehors. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Alors, on va regarder clairement ici comment Moïse va supplier Dieu. Amen. Amen. Pour la présence, il comprend, il connaît l'importance. Gloire à Dieu. Amen. De la présence de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Un vrai chrétien, tout chrétien est un leader. Gloire à Dieu. Amen. Dans le sens où il doit trouver le chemin, il est responsable de son salut. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de leader sur ta vie avant toi-même d'abord. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi si c'est un pasteur qui t'a trompé d'aller gagner ta vie dans le monde, Dieu va te juger responsable. Gloire à Dieu. C'est toi qui avais le droit d'aînesse pour ton âme. Gloire à Dieu. Amen. On ne force personne. Même le diable n'est pas responsable. Gloire à Dieu. Amen. Ton âme, si tu es de la vérité, tu as le droit d'aînesse. Gloire à Dieu. Amen. Pour choisir la vérité ou choisir le mensonge. Alors tu es un leader aujourd'hui pour ton âme. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors tu dois comprendre le mystère de l'importance. Gloire à Dieu. Amen. De la présence de Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, c'est le feu éternel. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre. Les activités sont finies. On n'a plus besoin de toi. Gloire à Dieu. Amen. Le temps du vaudan à l'église est fini. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le temps où on adore quelque chose sans demander son témoignage. Gloire à Dieu. Amen. On met l'eau sur toi, mais il n'y a pas de témoignage. On met le fruit de la vigne en toi, il n'y a pas de témoignage. Mais l'huile, quoi là, qu'on appelle le Saint-Esprit, l'onction, il n'y a pas de témoignage. Son nom, c'est la parole de Dieu. Dieu. Toujours sec dans les rituels. Gloire à Dieu. Toujours condamné, toujours cherchant Dieu, ne le trouvant jamais. Apprenant, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Écoutant les messages, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que ne parvenant jamais à la connaissance de l'âme de la vérité et ne parvenant jamais à la connaissance de l'esprit de la vérité. Ne parvenant jamais à la connaissance de la conscience de la vérité. Et ne parvenant jamais à la connaissance, gloire à Dieu, amen, du cœur de la vérité. En ne parvenant jamais à la connaissance des sentiments de l'âme de la vérité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Nous apprenons toujours, on écoute toujours les messages, gloire à Dieu. Amen. Là, on est toujours comme on était avant. Un petit truc me touche, gloire à Dieu. Amen. C'est le cas scandale, boum, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il va crucifier, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre la responsabilité, le secret de la victoire de marcher avec Dieu, gloire à Dieu. Amen. Tu trouves Dieu, tu marches avec le secret là, gloire à Dieu. Amen. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je peux d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Son nom, c'est la parole de Dieu. Regardons notre ami Moïse avant de prier. Moïse dit à l'Éternel. Il parle par la parole. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu vas me parler, gloire à Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait mon âme dedans. Gloire à Dieu. Amen. Et il faut qu'il y ait mon esprit dedans. Alors pourquoi viens-tu à moi par la parole? Parce que je suis la parole. Gloire à Dieu. Alors tu dois avoir l'esprit de la parole et l'âme de la parole. On parle ensemble. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, tu vas voir les personnes qui parlent comme un dragon. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mais ne joue pas. Hein. Ici, ce n'est pas la lettre. Gloire à Dieu. Amen. Ici, ce n'est pas les versets bibliques. C'est une démonstration de la vie de Jésus avec puissance.
puissance. Maintenant, gloire à Dieu. Amen. Et l'amitié avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et l'amitié de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas de querelle avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On ne sait pas séparer son nom. C'est la parole de Dieu. Et toujours avec moi. Gloire à Dieu. Amen. Au niveau, s'il n'est une minute pas avec moi, je meurs. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je déteste la mort. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je vis éternellement. Gloire à Dieu. Amen. Et il agit et j'agis. Gloire à Dieu. Amen. Alors, mais Moïse dit à l'Éternel. À l'Éternel, voici, tu me dis. Son nom. C'est la parole de Dieu. Tu me dis. Gloire à Dieu. Amen. Je te dis, tu me dis. Amen. Amen. Je te dis par ton sang. Gloire à Dieu. Amen. Et tu me dis par ton sang. Gloire à Dieu. Amen. Je te dis par ton esprit. Gloire à Dieu. Amen. Et tu me dis par ton esprit. On marche ensemble dans tout. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de désorganisation ou mésentente dans nos mots. Gloire à Dieu. Amen. Dans le sens de ce que j'ai dit, tu comprends très bien. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai la conscience dans le sens là pour comprendre très bien. Gloire à Dieu. Amen. Selon que j'entends, je juge avant de répondre. Gloire à Dieu. Amen. Donc la réponse que tu me donnes, j'entends bien ça et puis je réponds après avoir jugé. Gloire à Dieu. Amen. Et payer les conséquences. Gloire à Dieu. Amen. Alors je ne parle pas en vain. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est la parole de Dieu. Tu travailles efficacement. Tu n'es pas pour moi un Dieu. Regardez, si Moïse était ici, dans les problèmes comme ça, l'église a déjà fait le veau d'or. Amen. Amen. Le faux prophète dirige même jusqu'à Rome. Gloire à Dieu. Amen. Et puis toi-même, tu es là, tu attends encore aller prier 3 semaines pour avoir un mot de Dieu. Tu l'église est là quelque part? Non. Son nom. C'est la parole de Dieu. Dieu nous aide. Ici, Jésus n'est pas encore venu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, si tu veux être conduit par Dieu, ne méprise pas sa parole. Son nom. C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. C'est pas la parole que Dieu se révèle à Moïse. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est pas la parole que Dieu se révèle à Josué. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est pas la parole que Dieu se révèle au sacrificateur Élie. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est pas la parole que Dieu se révèle à Samuel. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est pas la parole que Dieu se révèle à nous aujourd'hui. Amen. Amen. Que celui qui a les oreilles entende. Gloire à Dieu. C'est que l'esprit Dieu. Aux églises. La direction de l'esprit. Il laisse. Il disait qu'il partait chercher Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Tu laisses la direction de l'esprit qui a la présence de Dieu. Amen. Amen. Et puis tu pars chercher que Dieu nous aide. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Ces choses qu'on a héritées des autres églises. Gloire à Dieu. Amen. Doit mourir complètement. Doivent complètement mourir. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne savent pas où ils partent. Gloire à Dieu. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Vous venez seulement embrasser. Quand tu viens à l'église, si sois humble, il y a une conscience qui dirige l'église. Gloire à Dieu. Amen. Et qu'il amène au ciel. Et s'il y a plus grand que Moïse, son nom. C'est la parole de Dieu. Regarde ici. Et il dit que Moïse dit à l'Éternel. Voici, tu me dis. Donc j'ai bien compris ta parole. Gloire à Dieu. Amen. Alors, prier, c'est parler avec Dieu. Amen. Amen. La prière n'est pas plus grande que la parole. Parce que la prière est utile et puis est simplement un instrument de la parole. Amen. Amen. La prière est servante de la volonté de la parole. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, si je n'ai pas la vie et l'esprit de Dieu, gloire à Dieu. Amen. Parce que je ne sais pas ce qui convient de demander. Mais l'esprit m'aide par des soupirs. Inexprimable. Et c'est selon Dieu qu'il intercède. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le Dieu, si c'est la parole, gloire à Dieu. Amen. Ce que Dieu fait, la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, la prière, si j'ai rejeté la parole, il n'y a pas de prière. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Priez beaucoup, d'essayer de faire, puis il n'y a rien. Gloire à Dieu. Amen. Si le Seigneur me fait ça aujourd'hui, un matin de prière de 2 minutes, c'est bon. Amen. Amen. Mais ce qu'il voulait faire aujourd'hui, son nom, c'est la parole de Dieu. Même quotidien de ce jour. Gloire à Dieu. Amen. Facile, easy. Gloire à Dieu. Amen. Constamment fort. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, il a parlé. Tu vas prier, non? Amen. La grâce de marcher avec Dieu. Est-ce que c'est les 5 heures de prière? Non. C'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, terminé. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que Jésus parlait fort? Non. Il parlait beaucoup? Non. Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. 2 minutes, tu es toujours avec moi. Gloire à Dieu. Amen. C'est pas que je vais faire une prière de 5 heures pour vouloir régler le problème, c'est que Dieu nous aide. Son nom. C'est la parole de Dieu. Pour bien comprendre et gloire à Dieu. Pour saisir la vie. Gloire à Dieu. Amen. Saisir l'esprit. N'est pas être rusé. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Gloire à Dieu. Amen.
Maintenant, c'est la parole de Dieu. Oh, alléluia, 42 minutes, mon temps est fini. Moïse dit à l'Éternel, voici, et tu me défends monter ce peuple. Son nom, c'est la parole de Dieu. Monter au ciel, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et il y a plus grand que Moïse, son nom, c'est la parole de Dieu. Il nous parle plus pour aller à Canaan, gloire à Dieu. Amen. Si les choses de la terre nous parlent pour aller à l'enlèvement au ciel, gloire à Dieu. Amen. Alors le leader s'y comprend, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la question de monter par l'infinie grandeur, gloire à Dieu. Amen. De la présence de Jésus, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est sur la terre. Il faut qu'on connaisse qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Amen. Et que tu es trop puissant, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il dit maintenant, regarde, tu me dépasses. Il dit que tu m'as dit, fais monter ce peuple. Monter au ciel, gloire à Dieu. Amen. L'homme nouveau, son nom, c'est la parole de Dieu. Vous êtes ressuscité avec Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. La commission de monter au ciel, dont te prêche de renoncer à tout ce qui est d'Égypte. Amen. Amen. Tu me dis, donc j'ai compris ce que tu dis. Gloire à Dieu. Amen. C'est de renoncer à sa vie qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. Et de ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais de monter au ciel. Gloire à Dieu. Amen. Vendez ce que vous possédez. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Tu me dis de faire monter. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ressuscité. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu as bien compris ce que je demande que tu fasses? Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas le peuple idolâtre. Gloire à Dieu. Amen. Qui doit entrer là-bas, c'est l'homme nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Qui doit entrer là-bas. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Frère bien-aimé, ce n'était pas la lettre ici pour flatter les gens pour rester à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'était pas le petit mensonge. Tu veux la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Où irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Tu es dans l'église de la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu montes au ciel. Gloire à Dieu. Amen. À l'enlèvement. Gloire à Dieu. Amen. À la résurrection de mort. Gloire à Dieu. Amen. Que tu n'aies pas la première résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu. Montez au ciel. Heureux et saints ceux qui ont parlé à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Tu me dis de faire monter ce peuple. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Je dois faire monter le peuple. Gloire à Dieu. Amen. Il faut la consécration. Il faut ta présence. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu sois là. C'est impossible. Gloire à Dieu. Amen. C'est toi qui as le sang. Amen. Amen. C'est toi qui as la conscience. Gloire à Dieu. Amen. C'est toi qui as la résurrection et la vie. Gloire à Dieu. Amen. Ton nom, c'est la parole de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par toi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même les choses qu'un homme fait, le temps d'un fainé, c'est le temps du faux d'or. Gloire à Dieu. Amen. Le temps d'un homme est fainé. Gloire à Dieu. Amen. Le temps des dénominations est fainé. Gloire à Dieu. Amen. Les vrais adorateurs veulent voir Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Ils veulent voir le sang et l'esprit. Gloire à Dieu. Amen. Ils veulent l'homme vrai. Gloire à Dieu. Amen. Monter au ciel une fois et pour toutes. Gloire à Dieu. Amen. Le corps propre, l'âme propre, l'esprit propre. Que le Dieu des pères vous sanctifie. Lui-même tout entier. Ta parole que tu m'as dit, c'est ça que je comprends. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Le Dieu des frères, montez. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Montez le peuple. Gloire à Dieu. Amen. Enlèvement. Préparez le peuple à l'enlèvement. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. S'amuser avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors regardez le leader, si le frère, si la conscience est responsable. Gloire à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alors, il dit que tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ça va dépendre. Gloire à Dieu. Amen. Si c'est toi, c'est la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si c'est moi, c'est fini. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. J'ai désespérément besoin de ta présence. Gloire à Dieu. Amen. Autrement dit, alors, je sais où se cache ta présence. Amen. Amen. Ta présence se cache dans ton
sang. Gloire à Dieu. Amen. Alors j'ai désespérément besoin de ton sang. Gloire à Dieu. Amen. Si le peuple s'y boit ton sang, il ne mourra jamais. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Ils sont vaincus par le sang de l'agneau et la parole de la témoignage. Ça veut dire que le sang là va parler en retour avec toi. Gloire à Dieu. Ton nom, c'est la parole de Dieu. On allait marcher ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Dans les prières de la pensée, une seconde, et puis à l'amen. Gloire à Dieu. Amen. La vie facile, je dis, pense à la sœur, t'es clair. Gloire à Dieu. Amen. Accorde-lui la vie éternelle. Je dis que ça en est fait. Amen. Gloire à Dieu. Dieu. Terminé. C'est Jésus qui a pensé. Gloire à Dieu. Amen. C'est Jésus qui a dit. Gloire à Dieu. Je marche avec Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il va me donner, il va donner la vie à la sœur, t'es clair. Gloire à Dieu. Amen. Parce que j'ai fait 5 mois de prière. Non. Alors la gloire me revient, non? Amen. Si c'est comme ça, alors t'es clair. Doit se mettre à genoux devant moi. Ce n'est pas ça. C'est ça. Son nom. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui avait pensé à toi parce qu'il le voulait. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je t'aide. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le Père de Dieu a le pouvoir de donner la vie éternelle à qui il peut. Son nom. C'est la parole de Dieu. Mais la confiance en lui. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comme je fais sa présence, je vais étudier son sang. Amen. Amen. Je vais examiner la force de son sang qui a sa présence. Dedans. Amen. Amen. Je vais dire qu'avec le sang, si qu'est-ce que je ne peux pas faire? Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de avec Dieu. Avec ton âme, je peux tout faire. Gloire à Dieu. Amen. Avec ta présence, je peux tout faire. Son nom. C'est la parole de Dieu. Avec ton esprit présent, je peux tout faire. Ta parole est vie et esprit. L'alliance que tu signes avec moi, c'est mettre en pratique ta parole. Par la vie et par l'esprit. Son nom. C'est la parole de Dieu. Voilà le secret. Gloire à Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu, son nom. C'est la parole de Dieu. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi, c'est ça, non? C'est ça. Son nom. C'est la parole de Dieu. Cependant, tu m'as dit, gloire à Dieu. Amen. Je te connais. Par ton nom. Hey, alléluia. Amen. Ce n'est pas le nom de la chair, gloire à Dieu. Amen. Si c'est Moïse, ça veut dire tirer des eaux, gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire que ressusciter, gloire à Dieu. Amen. L'eau de la parole, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'eau de la parole qui a été changée en sang. Amen. Amen. Il y a de l'eau et puis il y a le sang. Gloire à Dieu. Et puis il y a l'esprit qui descend dans l'eau. Toujours, gloire à Dieu. Amen. Parce que Jésus est toujours sur l'eau, gloire à Dieu. Amen. Quand l'esprit descend sur lui, gloire à Dieu. Amen. Il y a l'eau, il y a le sang et puis il y a l'esprit, gloire à Dieu. Amen. Il est toi qui rends des témoignages sur la terre, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Non, je te connais pas ton nom, ça veut dire que le nom que tu m'as donné, gloire à Dieu. Amen. Ton nom, c'est la parole de Dieu. C'est le témoignage de la parole que je représente sur la terre. Son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, alléluia. Amen. Il n'y a pas de rarité. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit qu'il y a sous les cieux qu'un seul nom qui a été donné aux hommes. Gloire à Dieu. Amen. Donc il ne parle pas du nom de l'homme Moïse. Gloire à Dieu. Amen. Il ne parle pas de ta conscience. On ne t'attend pas. Gloire à Dieu. Amen. On n'attend pas tes prières, tes prophéties et ton enseignement. Gloire à Dieu. Amen. Et ta consécration. Gloire à Dieu. Amen. On attend Jésus-Christ. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je comprendrai. On t'a dit marche humblement. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il m'a dit que je te connais pas ton nom, le nom que tu m'as donné, le nom que tu portes en moi. Gloire à Dieu. Amen. Si je vais. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je connais l'âme de ton nom. Gloire à Dieu. Amen. Je connais l'esprit de ton nom. Son nom. C'est la parole de Dieu. Mon nom n'existe pas parce que c'est ton âme que j'ai. Amen. Amen. Et c'est ton esprit que j'ai. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je t'appartiens, je suis ta propriété. Son nom. C'est la parole de Dieu. On parle doucement. Et tu dis que tu as trouvé grâce. À mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais-moi connaître tes voix. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors je ferai comment je te connaîtrai. Il ne se vante pas. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que je veux le connaître. Son nom, c'est la parole de Dieu. Hey, avec tout ça, Moïse, tu as marché avec lui, tu as ouvert la mer rouge, tu as lancé la, tu as fait beaucoup de miracles. Amen. Amen. Là-bas, en Égypte, tu es le premier né de la mort. Amen. Amen. Toutes sortes de miracles, de prodiges, gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et puis tu dis que tu vas encore le connaître. Amen. Tu ne t'enorgueillis pas. La Bible dit que Dieu Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Et l'Esprit nous a enseigné quelle humilité si ce n'est pas tout ça. Non, amen. Amen. Donc, on ne peut pas être humble, c'est l'orgueil.
Gloire à Dieu. Amen. La conscience ne peut pas être humble, c'est l'orgueil. La vraie humilité, c'est l'absence de la conscience de toi-même. Amen. Amen. Et l'absence de ton âme orgueilleuse, de je veux, de il me faut. Gloire à Dieu. Amen. Nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas être humble. Gloire à Dieu. Amen. C'est Jésus Christ. Gloire à Dieu. Amen. Apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur. Terminé. Gloire à Dieu. Amen. Marche humblement. Tu ne seras rien. Gloire à Dieu. Amen. Ton nom. C'est la parole de Dieu. Terminé. Fini. Gloire à Dieu. Amen. Ton nom. C'est la parole de Dieu. Il dit que maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il dit que et je trouverai encore grâce à tes yeux. Son nom. C'est la parole de Dieu. Celui qui veut, veut encore. Celui qui aime, aime encore. Son nom. C'est la parole de Dieu. Ne tombe pas dans la monotonie. Dans la norme. Jamais. Fais de l'éternel ton plaisir le plus grand. Voilà. À Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Et il dit que considère que cette nation est ton peuple. C'est-à-dire qu'il ne prend pas l'église pour lui. Amen. Amen. Il marche avec son frère, mais il ne veut pas, il ne t'exploite pas. Gloire à Dieu. Amen. Il n'est pas, ça dit qu'il n'a gagné rien derrière toi. Gloire à Dieu. Amen. Que tu partes ou que tu restes, l'âme de Jésus n'est pas troublée. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il ne sort pas de l'âme de Jésus. Amen. Amen. Il ne sort pas de l'esprit de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Sans contredit, Jésus-Christ est ton boulot. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, gloire à Dieu. L'Éternel répondit par la parole toujours. Gloire à Dieu. Amen. On va prier, tu vas méditer cette parole. Il répond. Voilà ce que Moïse cherchait. Amen. Amen. La clé du succès. Gloire à Dieu. Amen. Dieu lui dit que je marcherai moi-même avec toi. Hey! Son nom. C'est la parole de Dieu. Et nos mensonges. Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus qui ne marche pas avec toi, règle son compte. Son nom. C'est la parole de Dieu. Il t'envoie sans marcher avec toi. Amen. Que Dieu nous aide. Il te dit que suis-moi sans marcher avec toi. Hey! Son nom. C'est la parole de Dieu. Prenez les pieds où pour marcher. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Que Jésus Christ soit l'accomplissement de ce que Dieu te dit de faire. Amen. Son nom. C'est la parole de Donc, Dieu. Pourquoi il s'appelle l'Amen véritable. Gloire à Dieu. Il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Son nom. C'est la parole de Dieu. Je marcherai moi-même avec toi. Et je ferai quoi? Et je te donnerai le repos. Je te donnerai le repos. Adieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et chargés. Je vous donnerai le repos. Le vrai chrétien se repose. Gloire à Dieu. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur m'a dit mot pour mot clair que je marcherai moi-même avec toi. Gloire à Dieu. Amen. Et je vais te donner le repos. Je suis le roi de Salem. Lève-toi. Vous parlez à Dieu. C'est une manière de prier. Il marchera avec toi. Et te donnera du repos. C'est ce que tu cherches de vrai. Tu es fatigué. Tu es lent. Tu es monotone. Tu es faible. Abattu par la tempête. Que personne ne console. Soutiens le combat. Dans les lieux élevés. Par la Dieu. Mon frère et ma soeur. Marcher avec Dieu. C'est marcher avec son âme. C'est marcher avec son esprit. Mon frère et ma soeur, il a le sang de l'amitié avec Dieu. Il a le sang de l'amitié de Dieu pour toi. Gloire à Dieu. Une seule personne fait les deux choses-là. Gloire à Dieu. Il est l'amitié de Dieu pour toi. Et il a la vie de l'amitié que tu as pour Dieu. Il fait les deux. Et il fait que les deux deviennent un. Les deux deviennent un. En lui, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu n'es pas dedans. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Une seule personne fait toutes ces choses. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il est en toi. Parle à Dieu. Et tu es en lui. Il n'y a aucune union. Il n'y a aucun trait d'union entre toi et lui. C'est lui-même. Son nom, c'est la parole de Dieu. Demande la grâce ici. Hey, demande la grâce pour marcher avec lui. La grâce de marcher avec Dieu. Seigneur Jésus. Si tu ne marches pas avec nous, Moïse dit, ne nous demande pas de partir d'ici. Si tu ne marches pas, ne me dis pas de me lever. Parle à Dieu. Qu'est-ce qui t'a levé? Mon frère et ma soeur, c'est quel sang? C'est quel esprit? Hey, on a prêché sur moi. On m'a fait. Qu'est-ce qui t'a levé? Tu prends les décisions par le mauvais sang qui t'a donné l'ordre de te lever. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
nos mauvaises consciences, nos mauvaises salles, nos mauvais esprits. Hey! Alléluia! Et puis tu dis que tu cherches Dieu, loin de la parole, loin de l'âme de sa présence, loin de l'esprit de sa présence. Que Dieu t'aide et maintenant de prier, mon temps est freiné. Mon temps est freiné. Dans le bien-aimé, mon temps est freiné. Merci Seigneur.